Bah salut, c'est Romu. Alors, j'ai vu ton commentaire là, où tu me disais 0,5% des joueurs rencontrent un ou deux bugs. Un ou deux bugs. Ben, t'as pas dû jouer au même jeu que les gens qui m'ont remonté les informations. Alors, on va te donner des noms, comme ça tu pourras aller voir sur leur chaîne. Et je leur demanderai même peut-être un jour qu'ils fassent une compile des bugs qu'ils ont trouvés. Alors, t'as Foi de la Panthère, qui a sa chaîne YouTube, qui a fait du Spider-Man 2, qui a trouvé des bugs. Tu as Strong, le JV, qui a joué au jeu, et qui a trouvé plein de bugs. Bon, ça fait 0,0000% de personnes. Et j'en ai tant d'autres qui m'ont remonté des infos. C'est peut-être des menteurs, c'est peut-être des mythomanes. Ouais. Mais je suis désolé, ça, tu vois, c'est un gameplay d'un abonné. Garde-moi ce bug quand même, c'est quand même assez magique. Un PNJ qui est bloqué par un mur invisible qui frappe dans le vide parce qu'il a détecté Spider-Man. Bon, voilà. Et il y en a tant d'autres sur ma chaîne. J'aurais pu te mettre une quinzaine de vidéos comme ça. Mais le problème, tu viens, tu me dis, ouais, il y a très peu de personnes qui ont des bugs, un ou deux. Bah déjà, quand tu regardes sur ma chaîne, t'as 3 vidéos, j'aurais pu t'en publier. Je sais pas, moi, on avait envoyé combien, une dizaine, je crois. J'ai pris les 3 plus humoristiques. Est-ce qu'en réalité, t'es pas un fanboy? En réalité, la question se pose. Est-ce que quand tu joues à un jeu, tu t'arrêtes sur les bugs? Est-ce que on joue à Spider-Man 2 aussi? Question bête. Sur certains combats, tu as pas eu des baisses de frame. Ah, tu les as pas vus. Non, non, vous les voyez pas parce que vous ne savez pas ce que c'est. Ou vous faites tout simplement pas attention. Parce que ça n'entache en rien votre évolution de gameplay ou même votre plaisir in-game. Alors si, dans l'éventualité, je dis bien, que oui, effectivement, tu as peu de personnes qui ont eu des bugs. Pourquoi là, beaucoup de personnes disent le contraire? Ce sont des menteurs. Ce sont des pros Microsoft. Ben, je suis désolé de te dire que, tout simplement, non. Le problème qui se passe, tu vois, à force de venir laisser ce genre de commentaires, à force de venir, tout simplement, dire toujours la même chose, parce que c'est estampillé Sony, et que c'est estampillé sur une console, il n'y a pas de problème. Les gens ne font plus rien pour vous. On vous met des vidéos. On vous le montre même en live sur un stream de Last of Us Partout 2. Je me téléporte derrière une map et impossible à remonter. En plein live, j'avais même pas eu ce problème sur la PS4. Mais écoutez, il n'y a pas de problème. Si vous aimez payer vos jeux 80 balles et vous faire... C'est votre droit, c'est pas le mien. Mais venir me dire il n'y a pas de bug... Ben, je sais pas, mais arrive un moment, faut peut-être enlever tes lunettes, hein, en tôle, et mettre des vraies lunettes, comme ça, tu verras l'écran et tu verras les problèmes qu'il y a. C'est pathétique et c'est fatigant de se battre toujours contre des gens qui veulent pas voir les problèmes où ils sont. Écoute, après, venir dire il y a très peu de personnes qui ont des bugs, un ou deux, ouais, le problème, je pense que tu sais même pas ce que c'est un bug ou tu les cherches pas. Alors, c'est quand même fatigant et c'est quand même assez humoristique. Bah allez, je te laisse. Va jouer avec ton Spider-Man 2. Et tu sais que quand t'avais fini Spider-Man 2, quand tu étais transformé en Venom, tu pouvais monter tout en haut, et partir dans la ville avec Venom. Et que Insomniac a patché il n'y a pas très longtemps la mise à jour de ton jeu. C'était tout simplement pour mettre un mur, mais pour pas que tu puisses sortir. Allez, je te laisse. Et puis cherche, il y a plein de glitches, il y a plein de bugs. Hein. Allez, ciao. Puis on se rigole. On est mort derrière.